à tous pour cette table ronde. Nous sommes ravis de vous avoir si nombreux. Et puis, je vais vous raconter un peu comment s'est fait cette table ronde. Initialement, comme c'est la semaine de la fête de la science dans la France entière, et que nous organisions avec nos collègues de Porto un congrès sur la pathologie moléculaire, on s'est dit avec Monsieur Merliot, avec le professeur Jean-Philippe Merliot, qu'on pourrait organiser une table ronde ouverte aux patients. Et comme nous sommes de bons scientifiques inaudibles, nous avions proposé un titre qui était « Les enjeux éthiques et sociétaux ». Enfin bref, vous ne seriez pas là parce que ça ne vous aurait pas du tout amusé. Le titre que nous avions proposé était un titre absolument pas compréhensible. Et puis, nous avons eu une belle rencontre, nous, médecins pathologistes et le groupe Aspéron. Nathalie va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le groupe Aspéron. Bonjour, donc moi je travaille pour le CIRIC Brio. Le CIRIC Brio, c'est le site de recherche intégrée sur le cancer de Bordeaux. Il y en a 8 en France. Et dans le cadre du CIRIC Brio, on finance des recherches et en plus, on établit depuis, disons, un an et demi, 2 ans, de plus en plus de liens aussi entre la recherche et les patients. Donc, on a monté l'idée d'avoir un groupe de personnes intéressées. Alors, au départ, des patients, via éventuellement des associations, des bénévoles d'associations, des aidants. Et puis, après, des professionnels qui s'intéressent à essayer de développer ce lien entre les patients et la recherche. Donc, ce groupe qui se réunit de temps en temps, qui imagine et réalise des projets, s'est donné lui-même ce joli nom d'Aspéron, qui veut dire « Association et patients engagés pour la recherche en oncologie ». Aspéron & Co, parce qu'au bout d'un an, on a dit officiellement, on ne peut pas faire ça en restant juste côté patients et associations. Donc, & Co, chercheurs, oncologues. Et donc, comme dans ce groupe, ça faisait partie des sujets qui nous intéressaient, sur lesquels on avait eu des petits ateliers de réflexion. Quand le groupe de Béatrice et de Jean-Philippe, qui se posait cette question de peut-être faire une soirée pour le grand public sur cette thématique, on s'est dit c'est parfait, donc on va faire ça ensemble. Voilà, donc on a fait chacun un petit bout du chemin l'un vers l'autre et c'est une merveilleuse expérience qu'on a commencé en juin avec les questions des patients et finalement le final, c'est pas du tout ce qu'on pensait au début et tout ça c'est grâce aux patients avec qui on a beaucoup travaillé, qui nous ont posé des questions et notamment la première question, c'est qu'ils ne savaient pas que nous existions les médecins anatomopathologistes. Ils pensaient, parce qu'ils nous font une bonne communication, les cliniciens, ils pensaient que les oncologues, les chirurgiens faisaient le diagnostic tout seuls, comme par magie. Voilà, donc la première étape, ça a été de montrer que ça existait et puis que c'était de la part de nos techniciens qui travaillent à partir du prélèvement qui est enlevé chez les patients. Il y a tout un travail que vous pouvez voir dans cette magnifique exposition qui a été faite par Laure Bousseau. Je ne sais pas où est Laure, elle peut se lever, elle est quelque part. Voilà, Laure qui est là, voilà, vous pouvez la féliciter. Parce que Laure, qui a une galerie de photos à Bordeaux et qui fait d'habitude des portraits, est venue faire le portrait du fragment. Voilà. Merci Laure de toi. Mais à toi, et puis merci aussi à Denis Mola et à toute son équipe de nous avoir accueillis ici, parce que nous sommes ravis d'être dans ce lieu où la science et la culture se mêlent pour le bonheur de tous les Bordelais. Et pour ceux qui n'ont pas eu cette information-là, cette soirée de ce soir, non seulement Laure prend des photos, mais est en même temps aussi filmée et en même temps retransmise en direct sur Internet. Donc vous pouvez vite envoyer des petits messages pour dire. Et autrement, si vous vous endormez à un moment, vous pourrez le revoir aussi ou si vous n'avez pas tout compris. Donc. Alors, vous voyez, il y a une brochette, et on s'excuse vraiment beaucoup pour tous ces gens qui font partie de cette brochette, parce qu'on leur a dit, vous avez 5 minutes chacun pour parler. Donc, voilà, donc vous allez voir, ça va être assez normalement tonique. Et le présentateur, il est où le présentateur? Dans l'ombre, voilà, c'est Monsieur Loyal, c'est un sociologue qui s'intéresse, il va nous dire
David Sama. Bonsoir, merci pour cette présentation. Donc oui, je suis sociologue et je travaille justement souvent sur les anapathes et sur leur univers un peu caché. Donc ça fait beaucoup de plaisir que je vais faire cette petite animation, puisque c'est mon rôle ce soir. Je ne suis pas sociologue, mais je fais une espèce de mix entre Maître du Temps et Monsieur Loyal. Donc on a 10 experts que je vais présenter tout de suite. On a Martine Rogière au milieu, qui est ex-patiente. Rogiro, j'avais prévenu que j'écorchais tous les noms de famille. Donc je vais être obligé d'écorcher les autres. Le professeur Alain Raveau, qui est chef de service en oncologie médicale au CHU de Bordeaux. Le docteur là-bas, le second, docteur McGrogan, qui est aussi chef de service de biologie des tumeurs. Non, pas du tout. Et de biopathologie à l'Institut Bergonié. Non, en fait, le patron de la biologie des tumeurs, il est complètement au milieu. C'est le professeur Jean-Philippe Merliot, ici. Alors, j'ai fait exprès, je leur ai dit non, ne vous mettez pas dans l'ordre, je vais mettre le bazar, et c'est ce que j'ai fait. Complètement au bout, vous avez le professeur Manuel Sobrino-Siomès, qui est chef de service, non, qui est anatomopathologiste et chef de service à l'hôpital universitaire de Porto. Frédéric Sattel, qui est chercheur à l'INSERM, je ne me trompe pas. Non. En fait, on travaille ensemble, donc je... il blague. Madame Jeanne-Hélène Di Donato, qui est ici, qui est consultante pour les centres de ressources biologiques et qui appartient à la société 3CR. Le docteur Driss Berdaille, président du comité de protection des personnes du Sud-Ouest et d'Outre-mer. Madame France Béréterbidé, directrice déléguée de l'offre de soins à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et, pas besoin de la présenter, le professeur Béatrice Verger, qui est chef de service en pathologie au CHU de Bordeaux. Donc, en bon sociologue, je vais mettre au centre et en avant tout d'abord les acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire les malades, en donnant directement la parole à la représentante des malades. Je pense qu'elle a un petit texte qu'elle a préparé, c'est ça. Vous avez un micro devant vous. Alors, mon témoignage en tant que patient et de mon fragment. Mon fragment, l'annonce de ma tumeur, ma biopsie, l'attente des résultats, du protocole, du chemin à parcourir. Pas une fois je n'ai pensé à ce fragment dont tout dépendait. J'ai donné mon sang et mes plaquettes pour les autres sans jamais penser à leur parcours. On m'a pris mon sang pour des analyses et pour moi il ne restait qu'une feuille de résultats. Mon fragment de biopsie avait un devenir. J'avais des droits sur lui. Je découvre son parcours bien encadré. Mon fragment, il pouvait ressortir de je ne sais quelle banque de données dans des années à venir si une rechute se présentait. Il pouvait servir à la recherche ou au laboratoire avec mon autorisation. Un univers inconnu se dévoile à moi, des hommes et des femmes dont le métier est d'analyser, répertorier, étudier, archiver, stocker, valoriser ces petits bouts de nous responsables de la maladie. Ces mêmes petits bouts peuvent aussi nous sauver, aider les autres malades, aider la recherche. Mon fragment, vous l'aviez et votre travail m'a sauvé. Il m'appartient, mais je n'en veux pas. Il vous est utile et vous n'avez que trop peu de droits. Il m'appartient et je ne l'ai pas. Drôle de propriété que je découvre. Vous l'avez, gardez-le. L'enjeu de son utilisation est trop compliqué pour moi. Vous l'avez, je vous le donne. Donnez-moi ce droit. Chérie. Ben, chérie. Oh, ben là. Tu me préviens même pas, hein. Mais je suis pas prêt. Allez, ils arrivent en retard. Bonjour tout le monde. Je vous présente le fragment. Oh, tout ça. Eh ben. Alors on attendait du monde, tu ne m'avais pas dit, tiens coquin. Mais non, on n'attendait pas de monde. Écoute. Quoi? Est-ce que tu veux un petit verre? Non, j'ai pris du poids en ce moment, là, ça fait réagir tout le monde. Arrête les deux bouts. J'ai quelque chose à te dire. Alors, je t'écoute, mon chéri.
J'ai parlé à mes parents, à ma famille, au professeur François, au docteur Denis, et on est tous arrivés à la même conclusion, il faut que l'on se sépare. Ah, oui. C'est bizarre parce que ça fait quelques jours que je te regarde comme ça et je me dis, il y a un truc qui va pas. Comment ça? Non, t'as un problème, toi. Comment ça, j'ai un problème? Tu devrais consulter, à mon avis, hein, je sais pas, mais bon. Oh, mais non, j'ai pas un problème, moi. En fait, voilà, il faut que je te dise. En fait, mon problème, c'est toi. Enfin, non. Enfin, c'est ton poids. Non, tu n'es pas grosse. Non, non. C'est que tu prends de l'embonpoint. Puis t'as cette espèce de vitalité comme ça qui prend toute la place en moi. Non, c'est assez... Ça m'épuise. Voilà, il faut qu'on prenne un petit moment de distance, de séparation, parce que, attention, ça m'épuise vraiment. Et en plus, tu fais des bêtises partout, tu vas partout. Ça y est, je peux faire tout. Voilà. Arrête d'être envahissant. Non, mais je comprends. C'est pas la peine que tu en rajoutes, là. Hein. Tu me fais remarquer à tout le monde ce qui se passe. Quoi? Tu veux qu'on sépare, c'est ça? Oui, bah attends, j'ai compris, hein. Mais t'as rencontré une autre, c'est ça? Mais non. Non, allez! Mais non! Mais si t'as une petite tumeur, hein, dans ta vie! Si t'as une petite tumeur dans ta vie, c'est ça? Oui, bah oui. Bah tu pourras lui dire à ta petite garce que si elle est là, c'est parce que moi, j'étais là avant, que j'ai préparé le terrain. Maintenant que je suis trop vieille, tu veux plus de moi, c'est ça? Mais non! C'est exactement l'inverse! Moi, ce que je veux, c'est que tu restes unique. Oui, oui, c'est ça. Que jamais personne, au grand jamais, ne puisse prendre ta place. Voilà. C'est tout. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ça voudrait dire que tu m'aimes un peu. Enfin, j'utiliserai pas ces mots-là, mais bon, apparemment, j'étais vraiment dans la peau. Et puis, ça commence à se voir. Voilà. Ah oui? Et puis, cette idée de séparation, ça vient pas de moi. Non, non, c'est eux. C'est eux qui l'ont dit, c'est eux. Qui ça, eux? Comment ça? Ben, le docteur, le professeur, et puis, des nouveaux amis à eux, les anapathes. Les anapathes? Ah non, ne parle pas d'anapathes. Quoi? Anapathes, psychopathes! Ah non, ça y est, j'ai compris. Non, toutes tes petites messes basses, là, hein, tes messages au téléphone. Ben... Oui, ben moi, je fais des rêves prémonitoires. Dernièrement, je me suis vu dans un bain de naphtaline. Il y avait un mec avec des grandes lunettes très longues comme ça, il me coupait en rondelles, il me mettait dans des petites boîtes et moi je hurlais « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Je me suis réveillé, j'étais en sueur, c'était horrible. Mais non, le pire n'est jamais sûr. Écoute. Quoi? En fait, calme-toi. Tu les intéresses. Oui, tu les intéresses. Oui, il y en a partout ici. Oui. Ouais. Tu les intéresses, ils te trouvent vraiment original. Ah, papa, viens par ici. Oui, non. Ils te trouvent vraiment original. Oui. Oui, toute cette vitalité protéiforme, tout ça. Hein, ton développement, tu vas dans tous les sens, tout ça. D'accord. Mais où tu vas? Pas rien. Vous voyez quand je lui disais qu'elle était envahissante? C'est juste un travail. Mais tu es sans gêne. Non, arrête! Ce qu'il faut, oui. C'est que tu prennes conscience de ton potentiel. Tu peux faire progresser la science. Moi? Mais oui, toi. Mais oui. Non. Tu peux sauver des vies. Bon, en commençant par la mienne, la tienne aussi peut-être, et après celle de tous les autres. Et puis ils feront de toi une star, la star des colocs, avec des photos de toi partout sur les murs. Oui, ils viendront du monde entier pour te voir. The World. Mais oui, The World. Il y aura des photographes, il y aura même peut-être des journalistes qui viendront peut-être du Japon. Des Japonais, alors ça, je veux des Japonais. Il y aura ton article dans Nature. Nature. Voire même The Lancet. The Lancet. Oui. Oh yes. Allez, mais d'abord, oui. Ils veulent juste savoir qui tu es, te comprendre un peu mieux, savoir voilà, comment tu fonctionnes, comment t'as fait en moi, tout ça. Alors laisse-toi regarder, laisse-toi un peu déshabiller. Voilà. Oh, non, ça va bien se passer. Non, c'est des gens très très bien, attention. Ah oui. Voilà. Et une fois qu'ils ont... Attends, mais viens, parce qu'on veut là. Oui. Une fois qu'ils auront tout ça, tu pourras devenir cette star-là. Oui. Mais d'abord, il faut aller voir le chirurgien. Non, c'est la dernière fois qu'on va dormir ensemble. Non, je joue pas avec mes émotions, là, d'accord, hein? Okay. On se sépare. Ça sera sous anesthésie, certes, d'accord. C'est comme un petit somnifère. Oui, c'est ça. Appelle-moi Marilyn Monroe pendant que tu y es, hein, c'est ça. Tu veux me finir au somnifère? Mais non. Allez, viens, on y va. Vraiment. Non, mais moi, je peux pas y aller. Je le sens pas. Mais il est très bien. Mais je peux pas y aller. Mais non. Docteur. On y va. Vous l'avez compris, ce soir, ça sera un peu plus détendu que dans les autres colloques.
Alors moi, cette scène de la séparation, je la trouve particulièrement intéressante. Ça me rappelle, avec le discours, avec votre discours, quand je suivais le professeur Ravo il y a quelques années pour travailler sur la relation médecin-malade, ben, cette dimension de la séparation, de qui fait le diagnostic, je suis passé un petit peu à côté. Je pensais qu'en fait, le professeur Ravo, il le faisait tout seul, le diagnostic. Alors, est-ce que ça serait peut-être l'occasion de faire le point sur ça ? On fait le diagnostic en disant il se passe quelque chose qui ne nous plaît pas, et là on a besoin du patient, mais il est clair que le diagnostic est porté par les pathologistes, et sans eux, rien de possible ne peut être fait derrière, parfois la chirurgie, mais aucune prise en charge des traitements. Et la notion aussi du diagnostic, c'est un diagnostic, un cancer, mais ce n'est pas ça, en fin de compte, il y a plein de diagnostics de cancer derrière, et même si l'oncologue ou le chirurgien ou le radiothérapeute a une idée du type de cancer, les pathologistes nous confirment le diagnostic, nous précisent quel est le type de tumeur au sein de ce diagnostic, nous donnent des informations un peu pronostiques, qu'est-ce qui pourrait se passer, et souvent maintenant nous aident aussi à catégoriser. Donc, on a entendu une personne qui avait probablement un cancer du sein, et en fin de compte, il y en a de plusieurs types. Il y a des cancers du côlon de plusieurs types, et qui vont orienter les traitements, le premier point. Et deuxième point, et j'étais assez impressionné par la présentation de votre patiente, c'est cette notion aussi du futur, puisque finalement, dans le futur, tous les documents seront remis au patient, et la seule chose qui restera, c'est probablement ces fragments, et qui permettent, si dans le futur des nouvelles données sont accessibles pour dire dans cette présentation, il est possible que l'on puisse faire des diagnostics complémentaires ou surtout de proposer des traitements, ultérieurement, on prépare également le futur. Et l'autre point, un peu plus nouveau avec les années qui passent, c'est qu'à force ou de guérir certains cancers ou que le temps qui s'écoule avec un cancer dure, d'autres cancers se font jour, c'est les mêmes patients, et qui permettent des fois de rediagnostiquer un deuxième cancer pour bien traiter ce deuxième sans penser que c'est le premier. Donc c'est une vraie... Pour nous, ce n'est pas une révolution. Alors peut-être que tu ne l'avais pas perçu, parce que c'était tellement naturel dans nos... Et en sachant que nous, les oncologues, on est plutôt vers la fin du circuit, alors que le premier temps est essentiellement le spécialiste d'organes ou le chirurgien. Mais sans Béatrice, Jean-Philippe ou Gaëtan à une époque... Nous ne serions rien et on ne pourrait rien proposer aux patients. Donc, indispensable. L'autre point, c'est que normalement, aucun traitement ne peut être fait d'un cancer sans la preuve histologique. Ce qui fait que lorsqu'on reçoit un papier de l'extérieur, la seule chose que l'on veut, le patient et le compte-rendu anatomopathologique. Sans ça, on ne peut pas prendre en charge les patients. Et je voudrais remercier la patiente sur ce qu'elle a dit et bien évidemment les acteurs qui m'ont également impressionné. Surtout le prélèvement. Alors, on a une très belle exposition, là, et qui met en avant une chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que le prélèvement, il a aussi un parcours. Alors, je me retourne vers Gaëtan et Béatrice. Peut-être vous pourriez nous expliquer. Alors, vous êtes mis l'un à côté. Et vous pourriez nous décrire un petit peu... Donc on est tous les deux chefs de service à la fois au centre anticancéreux et moi au CHU de Bordeaux. Voilà. Et donc vous savez sans savoir qu'est-ce que c'est qu'un anapath, parce que vous avez eu souvent, probablement l'un d'entre vous, un polype du côlon, un grain de beauté qui a bougé, des microcalcifications quand vous avez fait une mammographie, une tumeur du poumon qui a été opérée, un frottis. Et bien tout ça, vous avez rencontré l'anapath, le médecin anatomopathologiste, en ayant tout ça. Donc il y a un prélèvement qui nous arrive au laboratoire. Et ce prélèvement, il peut venir d'une opération. Vous voyez, il y a des chirurgiens qui opèrent et qui envoient pendant l'opération un bout du prélèvement au médecin anatomopathologiste pour lui demander est-ce que c'est bien une tumeur maligne ? Est-ce que j'ai bien tout enlevé ? Est-ce qu'il y aura assez de matériel, etc. Et donc, en même temps que le patient est sur la table d'opération, il ne sait pas que toute une histoire se passe derrière. Et donc, la première histoire, on va la faire en congelant ce premier prélèvement. Vous voyez, on congèle. Ensuite, on le met sur une colle. On coupe avec un cryostat qui permet de couper très, très fin. On colore la lame. On regarde au microscope et on dit...
on appelle, c'est l'interne qui appelle le chirurgien, mais elle l'appelle avec nous. Et en 15 minutes, on est capable de dire au chirurgien, oui, tu peux y aller, c'est vraiment un cancer, une tumeur maligne. Oui, tu as enlevé la tumeur en totalité. Et oui, nous avons assez de matériel pour pouvoir faire par la suite un diagnostic plus complet. Ça, c'est une partie de notre travail. Puis Gaëtan va vous parler de l'autre partie la plus importante aussi. Merci Béatrice. Bon, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le prélèvement qui a été congelé, en fait, il va falloir maintenant le conditionner pour pouvoir le conserver durant des années. C'est comme ça qu'on conserve, on verra par la suite, dans nos archives, des prélèvements qui datent de 20 ans, de 30 ans, et sur lesquels on peut toujours revenir pour refaire un diagnostic ou pour faire de la recherche. Donc pour faire ça, d'abord, les prélèvements le lendemain, juste après l'examen extemporané, vont être mis dans un fixateur qui s'appelle le formol. Et ce formol va permettre de conserver les tissus, ça va les rendre imputrescibles. Et une fois qu'ils auront été fixés, ces prélèvements, ils seront pris en charge par un pathologiste ou par un interne qui va les mesurer, ces fragments, la tumeur, va mesurer la tumeur, il va la photographier. Et il va faire un certain nombre d'examens pour pouvoir vérifier si la tumeur est à proximité ou à distance des berges d'exérèse chirurgicale. Et une fois que ce prélèvement est fixé, il va découper ce prélèvement en tranches et en petits fragments pour pouvoir les mettre dans des petites cassettes en plastique, comme vous voyez là sur la photo en haut et à droite. Et ces petites cassettes en plastique, en fait, elles vont permettre aux fragments tissulaires de passer dans une machine spéciale qui va enlever l'eau contenue dans les tissus, qui va enlever les graisses contenues dans les tissus et qui va remplacer ces éléments par de la paraffine. Le lendemain matin, au niveau du laboratoire, les techniciens vont prendre en charge ces fragments et ils vont les couler, et elles vont les couler dans de la paraffine. Suivante. Et on va obtenir ce qu'on appelle des blocs de paraffine. Donc l'image est disparue, et ces blocs de paraffine, en fait, vont pouvoir... Qu'est-ce qu'on va faire avec ces blocs de paraffine? En fait, on va faire des tranches, des coupes de ces blocs de paraffine pour pouvoir faire la photo suivante. Donc voilà, toujours les blocs de paraffine avec des fragments tissulaires. Donc on va couper ces blocs de paraffine sur un microtome, et on va obtenir des coupes de très fines qui sont de l'ordre de 3 microns, 3 à 5 microns. Et ces coupes, on va les mettre sur des lames de verre qu'on va colorer. Et voilà, donc on va colorer ces lames de verre. Donc ça va nous faire apparaître les caractéristiques des tissus contenus dans ces fragments. Et une fois que ces lames de verre sont constituées, en fait, ils sont envoyés chez le pathologiste, l'anapathe, comme on dit en langage courant. Mais le vrai terme, c'est anatomocytopathologiste. C'est un peu compliqué à dire, donc on préfère dire anapathe. Et c'est l'anapathe qui est un médecin à la base, qui a fait des études de médecine et qui s'est spécialisé dans l'anatomopathologie. Et il va étudier au microscope ces tissus. Et en fonction de ce qu'il voit au microscope, il va dire si le prélèvement... Donc voilà une jolie anapathe du CHU, Geneviève Bellanet, qui est en plein travail. Et qui va pouvoir, juste en analysant au microscope, dire s'il est en présence d'une tumeur, si cette tumeur est bénigne, si elle est maligne, ou si alors si ce n'est pas une tumeur. Et en cas de tumeur, en fait, elle va, en plus du diagnostic de cancer, elle va établir un certain nombre d'éléments qui vont aider par la suite l'oncologue, mais également le chirurgien, à prendre en charge le patient. Et elle va constituer ce qu'on appelle le compte-rendu anapath, en définissant le type de cancer, et des éléments qui vont aider par la suite la prise en charge du patient, c'est-à-dire le pronostic. Ils vont établir le pronostic de la tumeur, le stade du cancer. Est-ce que la tumeur a été enlevée en totalité ou est-ce qu'on pense qu'il en reste dans le patient? Et également, grâce à des techniques complémentaires, en particulier l'immunohistochimie, mais également la cytogénétique, et établir la sensibilité de la tumeur à un traitement donné. Voilà pour le parcours. Et donc, on arrive maintenant au niveau de la recherche. Donc, nous, on a fait notre travail. On cherche des traitements qui sont utilisables sur cette tumeur. Mais on a besoin de nos collègues biologistes moléculaires parce que nous, on analyse sur la lame, mais eux, ils vont analyser sur l'ADN. Et donc, Jean-Philippe peut nous expliquer quel est le travail complémentaire.
Oui, alors moi je ne rentrerai pas dans des techniques compliquées, simplement jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le diagnostic se faisait quasiment uniquement au microscope, comme mes collègues vous l'ont expliqué, c'est-à-dire on faisait des coupes, on regardait au microscope, et donc c'était la pathologie. Je ne sais pas pourquoi les Français utilisent ce terme anapathe, qui n'existe pas d'ailleurs, alors que dans tous les autres pays du monde, ça s'appelle pathologiste. Enfin bon. Donc ça, c'était la pathologie. Et puis, au fur et à mesure des connaissances des mutations génétiques dans les tumeurs, on a compris que pour faire un diagnostic plus précis, pour certaines tumeurs, pas pour toutes, mais pour certaines tumeurs, pour faire un diagnostic plus précis, on a besoin d'étudier la séquence de l'ADN de la tumeur. Et donc, à partir du même matériel que mes collègues pathologistes gèrent, on peut tout simplement prélever un tout petit morceau de la tumeur, donc qui est repéré grâce au microscope, et identifié déjà grâce au microscope. Et donc, à partir de là, on peut extraire de l'ADN, de l'ARN, voire des protéines, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, en fait, utiliser des techniques de biologie, qui ne sont plus des techniques d'interprétation au microscope, comme on regarde une photo ou une radiologie ou une lame d'histologie, mais on peut faire de la biologie sur ce prélèvement tissulaire, donc sur cette tumeur qui a été bientôt séparée du malade, pour faire un diagnostic plus précis, éventuellement chercher des tumeurs qui seraient de bon pronostic, et donc on ne va pas surtraiter le malade en lui donnant une chimiothérapie à ce moment-là, ou au contraire des facteurs de mauvais pronostic, et à ce moment-là on va proposer au patient une chimiothérapie adjuvante. Et puis troisièmement, et Alain Ravot en a parlé aussi, de plus en plus, au fur et à mesure des progrès de l'industrie pharmaceutique, hein, qui sponsorise aussi cette réunion, il faut le dire, grâce à l'avènement de nouveaux médicaments, on a des médicaments qui maintenant ciblent des altérations des gènes et des protéines correspondantes dans la tumeur. Et donc il y a un impact maintenant thérapeutique avec ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou les traitements ciblés. Et donc comme l'a dit Alain, au fur et à mesure des progrès, et puis au fur et à mesure de l'évolution du malade, du parcours du malade, on peut être amené à un moment à ressortir la tumeur qui avait été prélevée 5 ans ou 10 ans auparavant, notamment en cas de récidive ou de métastase. Et là, je dois rendre, moi, hommage à tous les collègues qui participent, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, notamment en Aquitaine, à cette chaîne, en fait, de prise en charge des prélèvements tissulaires, parce qu'elle est souvent méconnue du grand public, elle n'est pas forcément reconnue par nos autorités de santé qui prennent en charge le parcours du patient, mais c'est vrai qu'il y a le parcours de la tumeur qui a été illustré, et je remercie aussi beaucoup M. Mola de nous laisser l'opportunité d'en discuter effectivement avec le grand public et de nous permettre d'avoir un événement de ce type en dehors des lieux académiques ou hospitaliers traditionnels. Merci. Alors, on le voit et on le comprend bien, enfin, on va arrêter si je me trompe, mais en fait le biologiste moléculaire fait son compte rendu à l'anapath, il l'intègre lui-même à sa propre analyse, qu'il la transmet au clinicien, qui lui transmet l'information au patient. C'est juste un petit peu raccourci, donc il y a le compte rendu de l'anapath, le compte rendu de la biologie moléculaire, mais je dirais maintenant en fait on s'aperçoit que la prise en charge d'un patient se fait aussi dans des réunions de concertation pluridisciplinaire où toutes les informations sont collectées et prises en compte, donc il n'y a pas véritablement... Enfin, l'important, ce que tu dis est exact aussi, il faut qu'il y ait une intégration globale de toutes les données qu'on peut obtenir, soit au microscope, soit en biologie moléculaire, et notre grand intérêt à Bordeaux, qui existe aussi à Toulouse, mais qui n'existe pas dans toutes les villes, c'est qu'en fait, on a développé, tant à l'Institut Bergonier qu'au CHU de Bordeaux, justement, des laboratoires de biologie moléculaire, mais qui sont intégrés dans des départements plus grands, qui prennent en charge le bloc. Parce qu'il ne faut pas ignorer derrière qu'il y a tout un problème de gestion des prélèvements, à la fois de circulation entre le privé et le public, etc. Et donc, c'est très intéressant d'avoir une unicité et une intégration de l'ensemble de cette gestion du parcours du prélèvement. D'accord. Alors moi, évidemment, le sociologue que je suis se pose la question suivante, c'est comment les patients peuvent comprendre et comprennent ces résultats-là, hein. Allô ? Oui ? On va devoir exemple. Oui, comment tu vas ? Ouais. Ah bah, écoute, ça s'est vraiment très très bien passé. Ah mais génial. Ah oui, le chirurgien, il a fait un super boulot. Donc là,
Il m'a fait uniquement... Bah, j'ai que 15 points de suture, hein, quand même. Hein. Ah non, c'était nickel. Ouais, ouais. Ouais, je sors de chez le Toubib, là. Ouais, super. Bon, alors là, il m'a rassuré. C'est incroyable. Il a l'air hyper confiant, le gars. Il sait vraiment tout ce qu'il a à faire. Ouais, ouais. Le compte-rendu? Ouais, non, je l'ai là. Je l'ai pas encore lu, ouais. Ouais, ouais. Oh, ben écoute, en tout cas... Bon, bien, j'ai du monde là. Oula, ah, oui, oui, attends, j'ai vraiment du monde là. Écoute, je te rappelle demain. Bon, là, je suis en pleine forme. On se voit demain. Tu veux quoi? Footing ou squash? Badminton? Ok, ça marche. Ah, énorme. Alors. Compte rendu. Dossier M171718. Oui, mais maintenant, bougez pas, personne ne bouge. Non, je voulais pas que tu l'ouvres avant que j'arrive. Vraiment, ce que je voulais voir, c'est... C'est quoi? C'est ta tête quand tu vas apprendre mon nom. What? C'est ton nom, ça? Oui, c'est mon vrai. Carcinome séreux de haut grade, mesurant 12 par 14 par 9 cm. T'as été associé à un envahisseur du paramètre gauche, ouais, d'un ganglion lymphatique de curage pelvien gauche, d'un mésorectum, yes, d'un épiploune, yes, d'un ganglion inframésentérique. Yes. Mais attends, et tu connais ton nom de famille maintenant? Je vais te le dire, moi. PTNM, PTNM7, PT3AN1, Figo, grand 3, petit A. It's me, yes. Mais ça veut rien dire du tout, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, écoutez-le. Ça veut rien dire pour ben toi, oui, petit Nice. Mais pour tout cela, là, c'est quelque chose. Ah, mais ça, je viens de croire, oui, mais... Je suis pas anodin, moi. Et même, il paraît que je suis pas bénin. Il y a 30 secondes, j'étais en pleine forme. J'allais faire un badminton avec Francis, ok? Oui. Alors, je vois qui tu es. Hein? Mais ça me fait un peu flipper, je peux te dire. Ah oui? Eh oui, mais... C'est, alors, c'est grave ou c'est pas grave? Toi, t'es en contact avec eux, là. Qu'est-ce que mais, ça veut dire, tout mais ça? Mais toi, t'as aucune importance, là-dedans. T'as voulu qu'on se sépare? Moi, je fais ma vie. Comment ça, tu fais ta vie? Ouais, je fais ma vie. Je suis devenue une star. Une star? Ouais, la star. Tu sais d'où? Non. Devine. Allez! Oh, de la bibliothèque! Ouais, de la bibliothèque. De quoi? Mais non, t'es la star de rien du tout. Si. Ils vont te mettre dans une poubelle. Attends, que je lise le dossier. Dans une poubelle? Mais tu dis n'importe quoi. Non mais, ouin ouin, monsieur. Ils vont pas me mettre dans une poubelle. Ils vont te mettre dans une tumorothèque, je sais. Oui, c'est ça, une tumorothèque. Eh ben, je vais être la star de la tumorothèque. Oui, ils vont... Ils vont faire quelque chose de moi. Tu crois vraiment à toutes les sornettes qu'ils ont pu te raconter? Oui. Tu crois vraiment à tout ça? Oui. Ils vont me rendre éternel. Je vais être une star. J'ai toute une équipe qui s'occupe de moi. Ah oui. Alors que moi maintenant, oui, j'avoue que je me trouve un peu seul. Ça c'est vrai. Oui, ben, ça c'est vrai. Mon gars. Alors qu'au début, qu'on se sépare, c'est oui, tout. Mais c'est qu'au début, c'était toi qui étais envahissante, qui prenait toute la place et qui m'épuisait. Moi j'en sais rien pour. Oh, ben oui, oh, ben oui. Et ben tu vois, en fin de compte, grâce à vous, merci, je me suis rendu compte d'un truc. Quoi? T'étais trop étriqué pour moi. Mais oui, t'étais là, je suis épuisé, je suis pas bien, on aurait un vieux raisin tout sec. Moi maintenant, je m'épanouis, tu vois, j'ai ma vie propre. Tout s'ouvre pour moi, la vie. Et tu vas me dire que eux ils t'écoutent et que moi je ne t'écoutais pas et que maintenant eux ils te comprennent, c'est ça? Oui. Oui. Regarde ce qu'ils ont fait de toi. Regarde. Quoi? Ils m'ont rendu à moi-même. Ça y est. Je te dis, je suis éternel, je suis une star. Alors. Attends. Examen à la topopathologie. Regarde. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, tu m'as trahi. Oui. Oui, je vois ça. T'es allé partout, en cachette. Mais t'as fait un sacré voyage, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec pelvien gauche, pelvien droit, prévésical, rectodesome, pariétocolique, droit, gauche, oui, avec le suspenseur du foie. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Oui. Appendice, intra, infra, supra, lombo, aortique, gauche. C'est qui, cela? On dirait le cadavre, ah, ton truc, là. Calme un peu. Bon, c'est de l'histoire ancienne, c'est ton problème, toi. Tu restes que dans le passé, tu vois. Moi j'avance. Et je vais te dire. Oui. J'ai un avenir. Ah bon? Oui. Oui. Il semblerait, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à la tumorothèque. On m'a dit, toi, comme tu es là, tu pourrais être à l'origine d'une nouvelle thérapie. Toi? Ouais. D'une thérapie? Moi, oui, oui, moi, je suis un génie. Toi, un génie? Oui, je suis un génie. Ah, vous voyez, il est vraiment sans gêne, hein, maintenant. Arrête! Et puis, je vais te dire le fond de ma pensée. Je pense qu'en fait, avec soit
ton génie, eh ben ils vont faire de l'argent avec toi, c'est sûr, avec ta thérapie de génie. Ouais. Oh non, mais regardez ça, moi, l'argent. Là. On s'en moque de tout ça, c'est pas ça qui importe. C'est quoi alors? C'est mon avenir. Oui, ça, j'ai vu ça. Ben oui, voilà. Tu vois, je vais devenir quelqu'un. Madame, PTLM 7, PTLM 5, 6, PT3A, petit 3, grand figo, grand 3, petit A. Je veux que maintenant... Oui. Je veux que les choses... De manière... me soient expliquées de manière claire, avec des mots simples, d'accord? Des choses simples avec des mots simples. On est d'accord? Mais vas-y, simple, c'est bon. Je vais aller voir mon mot. Tout de suite. Ah ben voilà, monsieur fait la tête. Ah ben ça, voilà. Alors on leur explique pas tout, ils sont tout en colère. Bon bah écoutez les gars, c'est pas tout ça, mais il va falloir le calmer. Alors ça va falloir trouver des mots un peu plus simples, parce que là il a rien compris. Hein? Bon alors on vous écoute. Bon. Merci. Alors, justement, pour trouver des mots plus simples, professeur Sobrino Simoes, vous avez pas mal déjà réfléchi à la question. Comment on pourrait faire, je vais vous prêter le mien, comment on pourrait faire pour expliquer un peu mieux aux patients? C'est très... Je m'excuse, je parle très mal le français, mais je m'excuse, je pense que vous comprenez. Bon, c'est très, très bien, cette discussion, c'est fantastique parce qu'il est le problème de langage et le problème de comprendre. Et nous avons toujours ce problème, mais c'est pire. Les comptes rendus d'anatomie pathologique, c'est très, très fréquent que les patientes et même les médecins ne comprennent pas. C'est un problème. Donc, nous avons commencé il y a 10 ans. Nous avons commencé à faire en Portugal et en Italie, en Espagne, la traduction de les questions les plus fréquentes des patients quand ils reçoivent le compte-rendu. Et c'est très curieux parce que nous avons commencé par faire des traductions, les pathologistes et les cliniciens. Et donc, nous avons fait ça pendant 4 années. Nous avons fait des brochures et nous avons essayé d'utiliser ces brochures pour les patients. Et nous avons compris que ces brochures qui étaient traduites au portugais, et c'était les questions les plus fréquentes, elles n'étaient pas entendues par les patients. Comprenez, quand nous traduisons, nous sommes des anapathes, nous sommes des cliniciens, chirurgiens, oncologues, donc on maintient les mêmes problèmes de langage. Donc, nous avons décidé, la suivante s'il vous plaît, nous avons décidé de faire une autre chose, c'était d'utiliser les brochures que nous avons faites, nous avons essayé de la discuter avec des patients. Et là, nous avons fait pendant 3 années une modification de toutes ces brochures utilisant les mots des patients, les problèmes des patients, les problèmes des associations de patients. Et c'est très curieux parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nos questions, c'est vraiment les questions des patients. Et c'est très curieux parce que... La suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons décidé d'avoir d'émergence de plateformes qui sont utiles pour le futur, pour l'investigation, pour la recherche. Le second objectif, produire du matériel d'information sur le cancer afin de permettre aux patients d'interpréter leur rapport d'anatomie pathologique, mais d'interpréter même... et évaluer l'effet sur l'alphabétisation et santé des patients et l'amélioration de sa capacité dans la gestion partagée de la maladie. Et c'est très curieux parce qu'il y a 2 années aujourd'hui, et ça fonctionne. La suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait 2 interviews avec les patients, utilisant en premier lieu
notre question et puis les questions qui ont été modifiées par les patients. Et ça fonctionne. S'il vous plaît, la suivante. Aujourd'hui, nous avons étudié pendant 4 années, tous utilisant des patients qui sont à l'Institut d'oncologie et à notre hôpital, et ça fonctionne. Et nous sommes très heureux. Donc, nous avons, la suivante, s'il vous plaît, nous avons 8 brochures, mais faites par les patients, pas par nous, comprenez, tous est fait par les patients, et ça fonctionne. Et donc, la dernière, s'il vous plaît, nous avons convaincu le ministère de la Santé de commencer à payer. 10 années, c'était nécessaire, 10 années. Et nous avons commencé avec le cancer du côlon, la dernière, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est très important d'avoir des médecins et des patients et de la société. Parce que, vous savez, il y a cette idée de la médecine basée sur l'évidence, médecine personnalisée, médecine précision. Mais ce que nous avons besoin, la suivante, s'il vous plaît, c'est de la médecine de la narrative. Et dans la médecine de la narrative, le rôle des patients et des cliniciens, bien sûr, c'est fondamental. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Donc, je pense qu'il est temps de prendre quelques questions de la salle sur la première partie qui était le diagnostic. Ah, il n'y a que le mien. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres ? Merci. Questions ? Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut savoir quand on a pris juste un fragment de la tumeur, si on a tout enlevé ou pas ? Gaëtan, tu peux... En fait, je vais prendre l'exemple du cancer du sein, pour que ce soit plus informatif. Quand le chirurgien nous envoie la tumorectomie, la pièce opératoire, en fait, il nous l'adresse de telle sorte qu'on puisse nous se repérer par rapport à la position de la tumeur dans le sein. Et avant de découper la pièce opératoire, on va l'ancrer avec des encres de couleurs différentes pour dire ben, ça c'est la berge supérieure, ça c'est la berge inférieure, la berge interne et la berge externe. Et ensuite, on découpe le prélèvement en tranches et on regarde la distance de la tumeur par rapport à une des berges. Et donc, si la tumeur est au contact direct de la berge, on peut supposer que peut-être il reste un peu de tumeur chez la patiente. Par contre, si la tumeur est à distance de la berge, on pense de manière assez correcte que la tumeur a été enlevée en totalité. D'autres questions ? Ah. Non, j'aime bien. Il y a une question là. Oui, bonjour. Concernant la ludomothèque, qu'est-ce qui justifie le délai de garde entre le secteur public, 30 ans, et 10 ans dans le secteur privé, sachant qu'on peut revenir sur un fragment ? Alors ça, c'est on va poser la question à la juriste là, qui... Moi, je peux répondre d'un point de vue pratique concernant mon service de biologie des tumeurs. C'est quand même, à part les tumeurs de l'enfant qui doivent être gardées toute la vie, et donc ça, on les garde. Pour les adultes, on n'a quasiment jamais eu besoin, enfin, en ce qui nous concerne, de prélèvements antérieurs à 10 ans, sauf peut-être dans certaines pathologies pour lesquelles, justement, un délai de conservation en tumorothèque est prévu de façon plus longue. Donc, si vous voulez, c'est difficile de garder d'une manière générale tout le matériel. Il n'y a pas de financement
pour cela. Et deuxièmement, pour les tumorothèques, puisque avec Jean-Michel Coindre, on avait mis en place à Bergognier comme au CHU les tumorothèques sanitaires, eh bien, les financements des tumorothèques sanitaires se sont arrêtés, quasiment. Donc ça, c'est un premier problème. Et donc, il ne faut pas croire que ça soit merveilleux au CHU, et ou peut-être c'est merveilleux à Bergognier, je n'en sais rien, mais merveilleux au CHU et pas bien dans le privé à cause de cette différence de délai. Parce que au CHU aussi, Béatrice pourrait en témoigner, on a été obligé d'externaliser le stockage des blocs, ce qui ne permet pas toujours de les retrouver. Donc... Je pense que vous avez raison. C'est vrai que maintenant que le cancer est traité beaucoup plus, beaucoup mieux, c'est vrai qu'on a parfois des patients qui évoluent bien au-delà de 10 ans. Donc, il faudra probablement améliorer ça. Je rebondis sur ce que dit Béatrice. Effectivement, maintenant, avec l'amélioration des traitements dans le cancer, c'est vrai qu'on peut voir des récidives au-delà de 10 ans et que c'est important, je pense, sur le plan sanitaire, de pouvoir avoir accès à une tumeur qui a été enlevée il y a plus de 10 ans. Donc, effectivement, il faut organiser ça. Il faut peut-être repenser la loi et les obligations de conservation sur ce point-là. Et je voudrais aussi revenir sur le fait que, quand on parle de tumorothèque, on a toujours en tête un fragment congelé dans un congélateur. Mais en fait, maintenant, la tumorothèque, c'est ça, d'accord, mais c'est également le bloc de paraffine. Parce qu'on peut faire tellement de choses maintenant avec des blocs de paraffine que les archives du laboratoire dans la pâte, en fait, maintenant, sont devenues la tumorothèque sur laquelle on peut travailler, quoi. Après, l'histoire naturelle des cancers fait que ce point-là n'est pas forcément indispensable, parce que lorsqu'il y a des rechutes, l'idée, c'est probablement de s'intéresser au comportement biologique de ces rechutes qui peut différer. Et c'est la rechute qui indiquera. Malheureusement, ça induit une contrainte pour les patients, c'est d'aller reprendre de cette tumeur par des biopsies ou autres, et ce qui permet en général. Donc même si on ne trouve pas la tumeur primitive, c'est presque plus sur la question scientifique ou de la compréhension pourquoi quelqu'un rechute qu'un enjeu véritablement thérapeutique pour les patients. Donc je vous pouvais être rassuré sur ça. Je crois qu'il y avait une question. Ouais, oui, je voulais poser une question, à savoir si dans votre équipe, là, vous travaillez avec des psychologues, et si oui, quelle est la fonction de ces personnes ? Sur la notion des psychologues par rapport au sujet du jour, la réponse est non. Les psychologues interviennent essentiellement sur les temps d'annonce du cancer. C'est pour ça que, même si moi je suis un peu loin de la chaîne, il y a un problème à l'heure actuelle, c'est que tout examen fait, quel qu'il soit, doit être remis au patient, ce qui est une aberration puisque ça ne passe pas par le filtre de l'information première. C'est sûr que si on donne un compte-rendu à la patte comme où est notre porteur de tumeur, il est là-bas, qui est perdu, c'est impossible. Donc l'idée, c'est on explique et on donne après pour qu'il y ait un temps de cette explication. Et à ce moment-là, en fin de compte, les besoins à l'annonce du diagnostic. Alors, je ne m'occupe pas de patientes atteintes de cancer du sein, donc les choses peuvent être différentes. Il est exceptionnel qu'il y ait un besoin de psychologue immédiatement dans une sorte de phase un peu de sidération et de calage, et c'est plutôt dans un accompagnement à évaluer. Certaines le veulent, certaines ne le veulent pas. Donc c'est plutôt dans cet accompagnement autour de l'histoire de la maladie. Certaines, comme notre acteur l'a évoqué, le diagnostic, d'autres c'est plutôt le futur, d'autres c'est plutôt le traitement, et c'est une adaptation. Et on va dire le besoin des psychologues ou le fait qu'il y ait des psychologues dans les services de cancérologie dans le sens global sont quand même initiés par le livre blanc de la Ligue contre le cancer fait il y a 20 ou 30 ans par les patients. Donc c'est ça qui a dit. Donc il y a des psychologues. Après, entre les besoins et les moyens que nous avons, et même si j'ai un représentant de l'ARS à côté, il n'est pas possible de donner les besoins. Nous en manquons et on fait avancer quand même. Certains en ont plus besoin, d'autres moins. Les psychologues participent. Mais les psychologues, ce n'est pas une entité par elle-même, c'est l'ensemble. À quoi sert une psychologue si le cancérologue ou le chirurgien n'a pas informé la patiente ? À rien du tout. C'est un ensemble qui fait cette démarche. Et nous avons, comme à l'Institut, moi je connais que c'est essentiellement ces deux établissements, mais c'est également valable pour les structures privées et certains CAG de la région, un certain nombre de postes de psychologues pour accompagner les patients dans leur chemin de la maladie, qu'elle soit courte, qu'elle soit plus prolongée. Et cet accompagnement, c'est quoi ?
Des précisions diagnostiques, les psychologues n'ont aucun acte d'information médicale. C'est une notion de l'individu par lui-même, avec cette maladie ou une autre, qui pourrait suffire pour avoir un soutien ou un accompagnement psychologique. Ça peut être quelle que soit la maladie. Après, on en fout une tartine autour du cancer. L'annonce tout à l'heure, l'extension de la maladie était source d'inquiétude qui peut être là, les traitements qui vont être abordés. L'idée, ce n'est pas nous qui décidons du besoin du patient, c'est avec nos informations, quels vont être les besoins, les inquiétudes des patients pour les accompagner. Après, je ne suis pas le meilleur interlocuteur, parce qu'il faudrait que ce soit une ou un psychologue à côté de moi qui intervienne pour vous le dire. Mais c'est un accompagnement. Mais l'évolution, on a évoqué les 20 ans d'évolution dans la médecine. L'évolution aussi, c'est le comportement des médecins. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons de ce qui doit être dit. On peut comprendre ce qui est nécessaire dans le niveau d'information, mais de se mettre dans les besoins du patient pour cet accompagnement. Et ça c'est la vraie révolution des plans cancer et du livre blanc autour du cancer fait par la Guigne. Une dernière question, peut-être ? Une dernière question ? J'ai vu passer. Moi, je veux bien une question. En tant que tumeur star, étant seul présent dans la salle, hein, j'aimerais savoir, on m'a parlé d'éternité. Ça veut dire quoi, là ? Moi, j'entends des choses. C'est-à-dire, si je ne cherche plus, on va me mettre à la poubelle ? Je le vis assez mal, personnellement. Alors, on ne va pas te mettre à la poubelle. Alors, on a la recherche. Hein, la recherche, Frédéric Sattel, il ne t'intéresse pas, l'échantillon ? Alors si, il faut, on est dans une société où il faut rien jeter, au pire recycler. Nous, on est un maillon de la chaîne, peut-être un maillon, le maillon le moins visible des patients, parce que là, on n'est pas du tout, on est très éloigné, et à la fois, on essaie d'être proche. C'est-à-dire que cet échantillon va nous intéresser à plusieurs niveaux, comme il a été dit. Les progrès technologiques, les progrès et les avancées scientifiques font qu'on va avoir de obtenir de plus en plus d'informations avec cet échantillon. Et que on continue, que ce soit au niveau génomique, au niveau transcriptomique et au niveau des protéines, de pouvoir développer des stratégies pour améliorer le diagnostic, donc aider les pathologistes. Prédire du pronostic et ce qu'on essaie tous de faire aussi, parce que là je parle en tant que chercheur, mais les médecins qui sont présents ici ont pour la plupart la double casquette, et c'est une communication qu'on essaie de mettre en place avec eux, de développer le maximum de recherche pour le besoin du patient et aider aussi ces cliniciens dans leur métier de tous les jours. Ces informations, elles vont pas servir directement pour le patient ou pour le patient qui a donné ce morceau de lui-même, mais pour le suivant. Donc ça peut être après-demain ou après-après-demain. Et donc il faut conserver ce morceau, ce fragment, et aussi le rendre disponible à la recherche. Et là, il y a toute une partie juridique qui va être abordée après, je pense, mais parce que c'est des morceaux qui ne nous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas aux cliniciens et qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont une source infinie d'informations pour mieux comprendre. Et au-delà de ça, c'est que on parlait de diagnostic, pronostic. C'est maintenant, comme on voit l'évolution des traitements, et ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle dans plein de cancers. On va être capable dans de la médecine personnalisée, grâce à la recherche, d'être capable de donner un traitement le mieux adapté aux patients et donc de faire de cette maladie une maladie, on espère tous, chronique. Donc nous, on essaie de faire ça, et même on essaie d'utiliser ce morceau de tumeur pour essayer de plus avoir à chercher ce morceau de tumeur. Je m'explique. C'est qu'en fait, les informations, on essaie de les... Là, on parle de morceaux physiques de la tumeur, mais on va aussi pouvoir avoir des informations sur la tumeur et son développement à partir de fluides biologiques. Et là, le chirurgien n'aura plus à intervenir,
mais les informations seront dans le sang, dans les urines, et permettront donc de faire tout ce qui est fait sur des morceaux de tissu, sur des fluides, et donc en étant moins invasif, avec le danger associé à cet acte chirurgical. Donc voilà tout ce qu'on essaie de faire. On le fait évidemment pas tout seul. On le fait en collaboration avec tous les cliniciens, et c'est eux qui nous amènent aussi les questions sur lesquelles on peut essayer de travailler. Là, on parle de recherche translationnelle, c'est-à-dire de recherche vraiment appliquée. Aussi, il faut savoir que il y a une recherche qui est encore plus loin du patient, avec, comme vous pouvez l'imaginer, des chercheurs qui sont avec des cellules ou avec des souris, et qui vont là aller pousser les investigations le plus loin possible. Et souvent, lorsqu'on a identifié une nouvelle molécule, identifié un nouveau mécanisme, il va falloir sur la souris, il va falloir le tester et aller l'identifier sur des fragments humains. Et donc là, c'est à ce niveau-là aussi qu'on a besoin de ce matériel qui est très précieux pour le patient, très, très précieux pour les cliniciens et pour nous aussi. D'accord. Alors j'imagine que tu vas faire un petit peu référence, qu'il y a des conditions très précises pour pouvoir utiliser ces échantillons. Je pense que vous pourriez peut-être nous apporter quelques informations sur ça. Oui, effectivement, vous l'aurez tous compris, l'utilisation de ces échantillons pour le soin, c'est important, pour le diagnostic et le traitement, mais aussi pour la recherche et pour le futur. Ceci dit, les chercheurs ne font pas n'importe quoi et comme ils le souhaitent. Heureusement pour vous en tant que patient, de toutes les façons, il y a des conditions qu'on ne peut pas outrepasser. La première, c'est de respecter la loi. Et nous avons une très bonne loi française qui protège le patient tout en permettant de faire de la recherche et d'avoir, on espère, des résultats. Le premier point de cette loi, c'est que l'échantillon humain est hors patrimonialité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de commerce sur ces échantillons. Et ça, c'est très important, c'est un principe de base que tout le monde ici respecte et on y est très attaché en France. Le deuxième, c'est que vous ne pouvez faire de la recherche que si la recherche a un sens. Et ça sera surveillé, ça. Savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut vraiment justifier que cette recherche va être bénéfique et surtout qu'elle ne va pas faire courir trop de risques aux patients et même que les échantillons ne seront pas gaspillés de façon inadmissible par rapport à d'autres recherches que l'on pourrait faire. Le troisième point, et ça va rejoindre un deuxième axe d'obligation, c'est on ne peut pas faire de recherche sans que le patient soit au courant. Et ça rejoint l'axe éthique, c'est-à-dire que les patients doivent être informés et informés correctement, simplement, avec un langage qu'ils doivent comprendre pour qu'ils puissent vraiment prendre leurs décisions et leurs positions. Et ils sont libres de dire oui ou non. Mais quand ils vont dire oui ou quand ils vont dire non, ils sauront pourquoi ils le font et ils sauront quelle est leur voie. Et de toutes les façons, même s'ils disent oui, ils peuvent toujours, ce que l'on appelle la révocation du consentement, revenir en arrière et ils ont cette liberté-là. Donc ça, c'est le deuxième concept qui est vraiment très important dans la recherche. Et le troisième, c'est que effectivement, les échantillons sont utilisables à un instant T quand ils viennent d'être prélevés, mais comme vous venez de le dire, ils sont aussi utilisables dans le temps. Et ce temps peut être effectivement très long, parce qu'on a maintenant des moyens de conservation qui gardent les capacités et les caractéristiques de ces échantillons. Et si un échantillon peut avoir de la valeur, j'allais dire unitaire par rapport à un patient donné, il peut aussi avoir une valeur collective si on le réunit en collection. Et ces collections sont gardées dans des infrastructures qu'on appelle les biobanques, les tumorothèques ou les centres de ressources biologiques. Et ces échantillons vont faire partie d'un ensemble que l'on va construire à partir de caractéristiques très particulières. Et c'est l'analyse de ces échantillons ensemble qui va aussi parfois permettre de donner des nouveaux résultats pour pouvoir cibler une catégorie de population qui a une pathologie particulière. Alors bien sûr, tout ça est parfaitement encadré par la loi. Une biobanque ne peut travailler que si elle est autorisée, par exemple, par le ministère de la Recherche. Le consentement est encadré par la législation. Les recherches sont encadrées et tout est surveillé préalablement à tout sujet de recherche par les comités de protection des personnes qui vont regarder que les chercheurs respectent toutes ces obligations légales et réglementaires. Merci. Alors, on a la chance d'avoir un représentant du CPP, pour une fois que je le vois en personne, parce qu'en général, on se voit par dossier interposé. Alors, donc, vous pourriez expliquer au public un peu ce qu'est le CPP et à quoi ça sert ?
Bien sûr, avec plaisir, et merci pour votre invitation. Alors, comme ça fait un lien tout naturel avec ce qui vient d'être dit, alors un CPP, c'est donc un comité de protection des personnes, ce qu'on appelle quelquefois, alors il y a différentes dénominations, ça s'appelle, selon les pays d'ailleurs, les dénominations changent, un comité d'éthique. Donc c'est un groupe de personnes indépendantes, de profils très différents, des hommes, des femmes, qui peuvent être des professionnels de santé, de nature variée, mais qui sont aussi des représentants de la vie civile. Donc, vous avez différents profils, notamment des représentants de patients. Et aucune recherche ne peut être menée avec implication de la personne humaine en France, mais dans bien d'autres pays aussi, socialement développés, qui ont développé justement un corps spécifique au niveau juridique pour pouvoir réguler ces fonctionnements. Et c'est la conséquence, bien évidemment, d'une longue histoire qui a commencé, notamment avec un code qui est toujours applicable, qui s'appelle le code de Nuremberg. Alors, il y avait quelques penseurs préalables qui avaient élaboré des principes par rapport à l'expérimentation sur la personne humaine, mais une des grandes dates historiques, c'est le code Nuremberg, donc c'est suite aux observations d'expérimentations inéthiques par des médecins qui étaient jugés à Nuremberg dans les années après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui ont abouti à des grands principes qui ont établi le code Nuremberg. Et parmi ces grands principes, certains sont toujours appliqués, enfin tous les principes d'ailleurs sont toujours appliqués. Et parmi eux figure bien évidemment l'information des patients, une information qui doit être adaptée. Et d'ailleurs, j'ai apprécié les propos qui ont été tenus et l'effort qui a été présenté, notamment en termes pédagogiques, de messages qui est adapté à la personne auquel il est destiné. Et comme vous le disiez, le développement de brochures spécifiques pour expliquer une maladie, sa prise en charge, bien, le même effort doit être fait dans le cadre de recherches cliniques. Et donc, aucun patient ou aucun volontaire sain, pour les recherches qui portent sur les volontaires sains, ne peut être mené sans que les personnes aient été informées de manière adaptée, claire. Et c'est un des éléments qui est justement évalué par les comités de protection des personnes. Donc, Nuremberg, suite à la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de grands principes, on entend parler de déclaration d'Helsinki, qui est généralement mise à jour. Alors, il est intéressant de noter qu'en France, en fait, la loi relative à la mise en place des comités d'éthique, en particulier, est relativement tardive. La première loi qui oblige de manière légale à un certain nombre de principes de protection des personnes est apparue en 88. C'est une observation intéressante. Peut-être que la juriste pourra commenter sur cet élément historique qui fait que nous n'avons vu apparaître une loi sur ce sujet en France qu'en 88. Alors, cette loi a évolué. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu la dernière version de cette loi qui s'appelle la loi Jardé. Mais dans les principes sont toujours les mêmes. Donc, tout d'abord, aucune personne, qu'elle soit saine ou malade, ne peut être impliquée dans une recherche sans que le protocole, c'est-à-dire la façon dont la recherche va être menée sur ces personnes, soit d'une part évalué par un comité de protection des personnes, et je vais revenir sur les éléments principaux que le comité de protection des personnes évalue, et d'autre part une autorisation de ce qu'on appelle l'autorité compétente dans notre jargon, qui est en pratique en France l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, dont vous avez dû entendre parler pour d'autres sujets. Elle est compétente en particulier aussi pour évaluer en parallèle les protocoles de recherche impliquant la personne humaine. Et l'évaluation par le CPP, d'une part, et par l'agence en charge de cette compétence, est indépendante. Donc il y a une double sécurité. Alors, quels sont les éléments clés ? Ils ont déjà été dits. Les éléments clés, c'est tout d'abord, bien évidemment, que le protocole réponde à une question scientifiquement justifiée. Il n'est pas éthique de mettre en place un protocole qui n'est pas une justification scientifique appropriée. Ça serait impliquer des personnes et les exposer en l'absence de toute justification scientifique, et donc aucun bénéfice pour l'humanité et en particulier pour les personnes qui y sont impliquées. Donc c'est un des éléments qui est évalué. Donc la justification scientifique, on l'a déjà dit, l'information préalable à l'inclusion des personnes, lorsque les médecins qui sont en charge de les inclure, qu'on appelle les investigateurs, les médecins investigateurs doivent leur fournir, donc une information intelligible, appropriée, proportionnée. Et suite à cette information, un consentement. Le consentement doit être libre et éclairé. Alors éclairé, c'est dans le sens information compréhensible, et libre, c'est sans contrainte. Il est complètement interdit de dire à un patient si vous voulez avoir accès à ce traitement qui marche, il va falloir absolument participer. Non, le consentement est libre et éclairé. Un autre élément qui est crucial et qui est évalué par les CPP, c'est le fait que, bien évidemment, ces patients qui sont pris en charge dans le protocole de recherche ne subissent aucun préjudice du fait de la participation à la recherche. Il est hors de question de faire prendre des risques inappropriés à un patient
qui accepte de participer à une recherche. Comme ça, c'est un grand principe. Alors, pour aller plus loin, mais je ne vais pas les détailler, mais peut-être pour vous dire quelques mots sur la façon dont fonctionnent les CPP. Alors, les CPP, il y en a à peu près une trentaine en France. On est indépendant des établissements hospitaliers, publics, privés, des collègues travaillant en cabinet médical. On est indépendant des autres acteurs de la recherche. Notre tutelle, elle est à ma droite, c'est l'Agence régionale de santé, qui nomme, après un processus d'évaluation, notamment portant sur l'indépendance des membres, le fait d'être approprié ou non pour participer à des travaux au CPP. Nous sommes à peu près une trentaine, je vous ai déjà dit le profil de ces personnes, et en pratique, en général, les CPP se réunissent tous les mois. Ils reçoivent un ensemble de documents. Alors, ça se fait sur des documents, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le promoteur de l'essai clinique se voit attribuer au hasard. Alors ça, c'est un mécanisme récent, c'est-à-dire pour éviter, ou plutôt favoriser une déconnexion entre un promoteur de recherche et un CPP, le promoteur s'adresse à une structure nationale qui distribue au hasard et de façon indépendante du type de recherche le protocole à un des 30 CPP en France, avec une charge équilibrée entre ces CPP. Et à ce moment-là, le promoteur envoie tout un ensemble de documentation, qui est bien évidemment le protocole, qui détaille exactement ce qui va être fait au cours de la recherche. Et un autre élément bien évidemment capital, qui doit être transmis au CPP, c'est ce qu'on appelle la note d'information et le formulaire de consentement. Et c'est ce sont deux documents qui sont examinés avec autant d'intérêt que le protocole. Et parce que le protocole, c'est la partie scientifique et la justification, et le fait qu'il n'y a pas de préjudice pour les patients, de voir un petit peu quels sont les examens qui sont réalisés, éventuellement des examens supplémentaires liés au protocole de recherche. Mais l'autre élément crucial, c'est effectivement, est-ce que, et d'où l'importance d'avoir des représentants de la société civile dans ces CPP, notamment des représentants de patients, est-ce que cette information est intelligible? Est-ce que la façon dont le message est transmis, et le support, qui est encore un support papier, joue véritablement le rôle d'information juste, exacte, intelligible. Et par ailleurs, bien évidemment, sont vérifiées les modalités de consentement, puisqu'il ne peut pas y avoir, encore une fois, de participation sans patient éclairé et librement consentant. Alors on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais un autre élément important, c'est qu'une fois qu'un protocole... l'ensemble de ces documents est soumis à un CPP. Le CPP, à ce moment-là, soit dit avis favorable, soit demande des éléments complémentaires, soit émet un avis défavorable au vu des éléments soumis. Une recherche peut très bien ensuite être mise en place en cas d'avis favorable, mais il peut y avoir, il y a souvent même, des ajustements du protocole au cours de la recherche. Bien évidemment, ces ajustements font l'objet du même circuit d'évaluation. Donc il est hors de question de modifier un protocole dès lors que les modifications sont substantielles, sont dites substantielles, sans que, bien évidemment, là aussi, que ce soit le CPP ou l'Agence nationale de sécurité du médicament évalue l'ensemble des points que je vous ai dit et d'autres pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une continuité de la protection des personnes. Voilà, en deux mots, la façon dont nous fonctionnons. En gros, rien ne se fait sans consentement. Rien ne se fait sans information adaptée et consentement libre. D'accord. Mais alors, vous l'avez le consentement, vous l'avez signé, vous ? Je suis une nouvelle star, alors je ne sais pas. Je pense qu'il y en a un dans le coin, tu n'en as pas un sur le profil. C'est ça que je dois remplir, alors. Ah, mais il faut que je le lise attentivement, mais c'est ça. Mais non, vous n'êtes pas mon qui est du pays, il est où, d'ailleurs ? Tu vois, depuis qu'il est parti. Ben oui, c'est toi que je cherche, tu vois, on n'arrive pas à se séparer en fin de compte. Ah, t'es. Oui, téléphone avec les CPP, là, je. Oui, non, mais viens, ils sont au-dessus. Non, mais. Arrête, c'est mon avenir qui est en jeu, alors dépêche-toi. Reviens ici. On l'avait pas signé. Mais non, mais viens ici. Oh, c'est pas vrai. Oui, quoi? J'ai quelqu'un à te présenter, il va falloir que vous l'expliquiez après. Viens voir là. Il y a ça, il faut que tu le signes, vite fait, bien fait. Comment ça, vite fait, bien fait? Mais c'est mon passeport. Attends, tu vas pas me faire signer n'importe quoi, puis t'aurais pu le signer, toi. Mais non, mais c'est mon passeport, je peux pas le signer. Comment ça, ton passeport? Pourquoi oui, faire? Mais arrête pas d'expliquer qu'on a des liens, tout ça, c'est compliqué. Mais quel lien? Ah, tu veux te séparer, pas te séparer? Tu veux que je sois là quand même? Et mais non, j'ai des droits, moi, quand même, hein. Et c'est pas pour rien que j'ai envoyé mon CV au CPP, là, je viens de le découvrir maintenant. C'est comment ça? Tu veux ta signature? Tu veux devenir une star? Oui, c'est le Lancet, tout ça? Oui. Nature? Ouais. Nature, les Japonais, tout ça. Consentement pour le don d'éléments du corps humain et d'informations biomédicales à des fins de recherche. C'est ça le titre? C'est ça qui est clair. Bon. C'est très clair, hein? C'est vous avez compris? Ok.
trois choses. Oui. Je confirme que j'ai été informé. Ah ben ça, il nous a informé, hein, ça. Ah, j'ai ah, participé à une réunion à la librairie Mola, à la salle aux hommes. Je c'est sais bon. Tout. Je c'est, sais c'est tout. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça c'était. Okay. J'ai pu poser toutes les questions à l'équipe médicale. T'as pu, toi? Ah, moi, j'ai posé des questions et il m'a même répondu. Super. Mais ça suffit, maintenant. Hein, okay. J'ai bien compris que ma participation était volontaire et que j'étais libre de modifier ou révoquer mon consentement à tout moment sans aucune justification, sans que cela n'ait de conséquence sur mon suivi médical. C'est-à-dire, si moi je dis, toi, poubelle, moi, continue à être soigné, monsieur. On est d'accord? Alors, comme ça, tu vas te tenir un peu à carreau. Je donne mon accord. Pourquoi? Je sais pas. Je vais te le dire. Oui, mais c'est moi qui panique maintenant, là. Ah, c'est toi, t'as vu, hein, quand ça commence à être compliqué comme ça, hein, alors que bientôt, c'est moi qui vais refaire tout le papier. Dans deux secondes. Dans le comité d'éthique. J'ai besoin d'un petit coup de remontant. Mais pas lui, il est trop important pour toi, lui. Non, mais ça, il parle bien, fais attention, il est peut-être étudiant pour le monsieur, là, pour le CV. Non, mais je... Je travaille pour mon avenir. Je donne mon accord pour que les échantillons et produits dérivés, c'est-à-dire tes casquettes... Oui, tout ça, ils venaient faire des mugs avec moi, Ainsi que les t-shirts et tout. Ainsi que les données biocliniques associées puissent être gérées par la Tumorotech. C'est ça, c'est mon hôtel 5 étoiles. Afin d'être utilisé voilà, à des fins de recherche fondamentale appliquées dans le domaine de ma pathologie. D'accord ? Utilisé à des fins de toute autre recherche sous contrôle de la pertinence scientifique et éthique. Non, c'est pas ça. Oui ? Oui, oui, oui. Et éthique oui. De l'utilisation de la tumeur. J'ai rien compris. C'est très bien. Je vais peut-être te la citer parce que là, c'est t'as ton avion là. Oui, j'ai l'avion, il faut que j'y aille, on m'attend là. C'est... Okay. Bon, écoute. Et j'ai pris conscience que, il y a trois points. Le premier point, c'était je confirme que j'ai été informé. Le deuxième, je donne mon accord pour qu'il fasse tout ça, machin. Ah, par contre, les marqueurs génétiques. Alors ça, il est hors de question que je ne puisse pas avoir le contrôle sur mes gènes. Parce que imagine, hein, on te prend les gènes, tout ça, et après on me retrouve dans une scène de crime. Voilà, dans 20 ans, mais, bah, non, mais c'est c'était pas, lui. Mais c'est pas ce qui est prévu, la dame elle l'a proposé, on va faire un péplum, là, on va être plein de gènes entre nous. En tout cas, j'ai bien conscience que quoi? Que je peux demander à tout moment la destruction de l'ion conservé en le demandant à la Tumorotech du CHU de Bordeaux, à Pessac, avenue Magellan. Je vais être le James Dean de la Tumorotech. Alors, tiens-toi, Caro, t'as intérêt à être intéressante, d'accord? Okay. Oui, je suis... Sinon, quick! Oui, signe-moi ça vite fait, là, c'est pas tout ça, on a du... David, il va râler, hein, moi, je te préviens. Oui, mais l'histoire du patrimoine, je n'aurai aucun retour financier. C'est écrit, ça. Mais c'est normal, on fait ça pour la gloire. Okay. Aucun bénéfice direct ne peut être attendu des recherches scientifiques qui pourront être faites grâce à mes échantillons. Non. Je vaux rien. Non. Y a que moi. Mais oui, tu vaux. Moi, je vaux. Pour la gloire uniquement. C'est ça. Bon. Je pourrais obtenir des informations globales des activités de la Tumorotech. Bon, ça, ce sont tes amis. D'accord. Bon, allez, je signe ou je signe pas? Oui, signe. J'aurais dû te faire. Attention, à une seule condition. C'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus clair. Hein. Oh là là. Oui, bon. Je ne signerai qu'à une seule condition. D'accord. Que tout le monde soit logé à la même enseigne. D'accord. Je veux que tous les gens comme moi qui ont donné les fragments, ok, puissent les donner pour que tout ça participe à la science. Ah, je veux que ce soit pour tout le monde, ça. Et ainsi que toi, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est le parcours du fragment. Mais je suis une star, moi. Oui, écoute, justement. Tous les fragments ne sont pas des stars, hein, désolé. Il faut que tous les fragments puissent accéder au chemin de la connaissance, au chemin de la recherche. On est d'accord? Allez, d'accord, mais signe-moi ça, j'ai mon avion qui m'attend. J'ai pas de stylo. Il n'y a pas quelqu'un qui a un stylo là. Heureusement qu'il est là, vraiment. Bon, on est d'accord. Tu sais que je t'apprécie, hein. Allez. Ça y est, c'est signé, c'est dans la boîte. Bon, tu m'enfiles un, c'est pour la douane. Bon. Ah, alors fais gaffe à l'administration. Ma carrière commence. Hollywood, me voilà, youhou. Bon, je te laisse avec eux, ils vont s'occuper de toi. J'arrête de rire et je reprends. Du coup, je me dirige vers l'ARS. Alors, cette question du parcours de l'échantillon, vous le prenez, parce qu'on parle beaucoup du parcours du patient dans le plan cancer. Mais est-ce que vous réfléchissez à ça, au parcours de l'échantillon? Alors, ce serait un peu présomptueux, mais je vais le dire quand même, que l'ARS, finalement, pour partie, s'assure que tous les échantillons soient bien des stars et soient traités à la même enseigne. En tout cas, on peut résumer une partie des missions de l'Agence régionale de santé comme ça. Pour vous donner un exemple, alors il est vrai qu'effectivement, oui, le parcours est centré sur le patient, bien entendu, puisqu'on s'intéresse, et au-delà même de l'acte chirurgical, au-delà même
de la prise en charge à ce qui se passe avant, très en amont, et surtout déjà à la prévention des cancers. Hein, c'est une des missions extrêmement importantes de l'Agence régionale de santé, et aussi à l'accompagnement après cancer. Et donc, effectivement, à ne pas voir le patient uniquement par sa pathologie, mais à bien le voir sur le chemin que le conduit, que cette pathologie le force à emprunter. Alors, pour vous donner un exemple très concret, justement, de l'échantillon et du parcours de l'échantillon, on a indiqué tout à l'heure que, bien entendu, les laboratoires d'anatomopathologie étaient absolument essentiels. Et pour vous donner un exemple très concret, tous les établissements qui sont autorisés en chirurgie carcinologique, alors parfois certains sont autorisés à opérer tous les cancers, bien entendu, les très gros établissements tels que le CHU de Bordeaux, d'autres et la plupart, hein, sont autorisés à opérer le cancer du sein, mais pas le cancer digestif, ou bien le cancer urologique, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, les établissements ne disposent pas toujours des fameux laboratoires d'anatomopathologie. Et là, très concrètement, l'autorisation qui est délivrée ou le renouvellement d'autorisation qui est délivré par l'Agence régionale de santé dépend complètement, notamment, de la capacité de l'établissement à indiquer quelle convention de partenariat il a avec quel laboratoire d'anatomopathologie, comment, dans son site, il conserve l'échantillon le temps qu'il soit transporté jusqu'à ce laboratoire, quelle est la durée dans laquelle ces échantillons sont transportés, et donc ce qui permet finalement d'assurer une qualité absolument identique, comme si le laboratoire était finalement in situ dans l'établissement, au sein de l'établissement de santé. Donc finalement, le parcours de l'échantillon nous intéresse beaucoup aussi. Ça fait partie des conditions de renouvellement d'une autorisation de chirurgie. Donc on voit bien que quand on s'intéresse à la chirurgie, bien on s'intéresse aussi au parcours de cet échantillon ensuite. Donc conditions de délivrance de l'autorisation. Et l'Agence régionale de santé, ensuite, va sur site pour, à l'occasion de visites de conformité, s'assurer effectivement de voir quelles sont les conditions de stockage de ces échantillons, si la convention fonctionne toujours, quelles sont les relations avec ce laboratoire d'anatomopathologie et comment on s'assure finalement de la qualité de ce partenariat et donc de la qualité de la vie de l'échantillon. Alors, pour dire peut-être quelque chose d'un petit peu plus global sur le rôle et les missions de l'Agence régionale de santé, et notamment là, à la faveur du projet régional de santé qui va pas tarder à être adopté pour les 5 ans à venir, je crois que sur la prise en charge du cancer, donc des patients et aussi bien des échantillons, ce qui est, pour résumer, on va dire, la dualité et on va dire le débat et l'alternative qui prévaut dans toutes les implantations que l'agence autorise. Alors les implantations pour faire de la chimiothérapie, certains établissements sont autorisés, certains établissements de santé publics ou privés, d'autres ne le sont pas. Les cancers, on en a parlé, certains établissements sont autorisés pour tout type de prise en charge, d'autres uniquement pour certains, d'autres encore n'ont pas d'autorisation de chirurgie carcinologique, c'est éminemment variable. Idem pour la radiothérapie, donc tout le panel de la prise en charge. Et donc ce qui est fondamental, pour peut-être résumer l'enjeu du débat, c'est véritablement toujours de ménager un équilibre entre accès aux soins et qualité des soins. Pour donner un exemple, s'il n'y avait par exemple en Gironde que les établissements bordelais qui étaient autorisés pour un certain nombre d'éléments qu'on a cités, hein, chimiothérapie, chirurgie des cancers, etc., on pourrait se dire que l'accessibilité ne serait peut-être pas garantie parce que tous les patients ne viendraient peut-être pas jusqu'à Bordeaux. De la même façon, si tous les établissements de santé, il y en a beaucoup, étaient autorisés pour absolument toutes les modalités de prise en charge, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie des cancers, là, on est sûr que le niveau de qualité serait perdu parce que, bien entendu, quand un établissement nous propose, nous demande de renouveler une autorisation ou nous fait une nouvelle demande et que l'on va en visite de conformité s'assurer que l'établissement est bien conforme, eh bien, on vérifie notamment que les ressources médicales sont présentes, que les partenariats que l'on a évoqués sont en place et que, véritablement, la qualité est complètement assurée. Donc, l'idée est toujours, et le débat est toujours, et je crois que c'est absolument crucial, de voir comment on peut planifier, donc à l'échelle de la nouvelle région sur 12 départements, où vont être les centres de prise en charge, pour quel type de modalité, en s'assurant que la qualité, bien entendu, est au rendez-vous à 100%, en tout cas que les compétences sont réunies, que les conditions de fonctionnement, de gestion des risques, les protocoles de qualité sont en place, et en même temps avec ce souci véritablement d'accessibilité, parce que ce que l'on mesure à l'échelle de cette nouvelle région, avec des populations qui ne sont pas du tout les mêmes, hein, 1,5 million en Gironde, 120 000 habitants dans la Creuse, il n'y a pas du tout ni le même nombre d'habitants, ni le même nombre de structures, ni le même nombre d'autorisations qui sont délivrées. L'enjeu véritable est d'essayer de mailler le territoire, d'être au plus près du territoire et des besoins des patients pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. Mais vous l'aurez bien compris, la perte de chance, elle passe par un accès possible, mais également un gage de qualité dès lors qu'on rentre dans le système de soins et qu'on s'engage vers un établissement qui est autorisé et pour lequel on doit s'assurer que les conditions de qualité sont réunies.
Donc voilà pour dire peut-être un mot et donner une perspective sur le rôle de l'Agence régionale de santé de ce point de vue-là. Je vous remercie. On pourrait peut-être prendre quelques questions dans le public. Je vais vous donner mon micro. Merci. Jean-Michel Cohen, je suis pathologiste, hein, je fais partie de la bande là. Je voulais faire une remarque pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête de l'auditoire. Quand on parle de consentement pour la recherche, il faut distinguer deux choses essentielles, à mon avis, sur le plan pratique. C'est celle où il y a une intervention directe sur le patient. Par exemple, protocole thérapeutique avec biopsie associée. Là, il est clair qu'il faut que le patient soit clairement averti et surtout qu'il signe le consentement. Et là, nous, on ne parle pas de ça. On parle de tumeurs pour lesquelles on a des tumeurs, on reçoit des tumeurs qui font 10, 20, même plus, centimètres des fois. On en prend peut-être 1 à 2% pour l'examen anapath. Le reste, il va normalement être incinéré, donc détruit. Et là, on en garde en tumorotech pour faire de la recherche. Et ce qu'il faut bien voir, c'est le coût du recueil du consentement pour tous ces prélèvements que l'on a. Ça nous coûte très cher. Il faudrait que dans chaque structure, en particulier au CHU ou au centre, on ait pratiquement une personne à temps plein pour recueillir et informer les patients pour qu'on ait le consentement pour faire la recherche. Et encore, il faut que pour chaque type de recherche, on reprévienne le patient. C'est impossible en pratique. Alors, on peut le faire pour quelques prélèvements, pour les patients qui sont dans notre centre, mais on reçoit plein de prélèvements de l'extérieur. Et là, on ne peut pas le faire, et Gaëtan sera d'accord avec moi. Et donc, tous ces prélèvements qu'on a, qui sont potentiellement très utiles pour la recherche, théoriquement, légalement, on ne peut pas les utiliser. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je voudrais juste compléter juste un petit peu les choses. Effectivement, la législation met en balance la sécurité du patient et le besoin de recherche pour le bien de la société. Et on a toujours cette balance-là. Et le consentement, la notice d'information doit toujours être claire et bien compréhensible. Mais l'importance du consentement et la pression sur le consentement va dépendre du risque encouru. C'est sûr que ce consentement, il va être demandé d'être signé quand il y a vraiment un acte invasif sur la personne, parce qu'il y a quand même un risque qui doit être pris en compte. Mais plus le risque diminue et plus la pression du consentement, je dirais, est moindre. C'est-à-dire que quand on arrive à réutiliser des échantillons qui sont déjà prélevés, qui sont déjà dans les congélateurs ou dans les blocs de paraffine, comme on vous a montré tout à l'heure, vous avez besoin d'être informé parce que c'est une partie de vous, c'est un élément du corps humain. Donc on vous doit... On vous doit une information qui peut être une information relativement générale. C'est maintenant la loi qui le dit, mais avec une dérogation possible. Et là, le consentement, ce que l'on appelle le consentement, ne devient plus qu'une opposition ou une non-opposition. C'est-à-dire que si vous ne dites rien, on considère que vous êtes d'accord pour que ces échantillons, plutôt que d'être jetés, servent à la communauté scientifique et puissent être utilisés. Mais vous avez toujours le droit de vous opposer à cette utilisation. Et je rajouterai, pour aider les chercheurs quand même, et vous aider à vous dans le temps, parce que malheureusement, il y a des cas où les échantillons sont toujours dans les congélateurs et les patients ne sont plus là, donc on ne peut pas revenir sur le patient. Ça, c'est un point important. Et ils ont quand même de la valeur, même s'ils sont anciens, ils peuvent avoir une grande valeur scientifique. Il est possible de demander, sous un contrôle particulier, une dérogation à l'information qu'il doit être donnée au patient. J'entends par là, et ça c'est ce qui est écrit dans la loi, que le chercheur peut, sous certaines conditions, utiliser les échantillons sans que le patient n'ait pu être informé parce que soit décédé, soit perdu de vue, ou que ça serait trop compliqué de pouvoir le retrouver. Mais le chercheur ne va pas le faire comme il en a envie, en décidant, tiens, aujourd'hui je vais l'utiliser cet échantillon, tant pis si je n'ai pas le consentement. C'est toujours encadré par une analyse via les comités de protection des personnes. Donc, c'est tout à fait faisable et la loi a permis ces cas de figure où on peut utiliser des échantillons sans qu'il y ait un consentement express, libre, oui, mais signé, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Monsieur Derby, après on prendra une question. Je vais peut-être prendre celle-là. Ça marche ? D'accord.
J'avais un doute sur le fonctionnement de ce micro. Pour être justement clair et intelligible, j'espère. En fait, vous avez raison, il y a différentes circonstances d'utilisation d'un échantillon biologique. Celle pour laquelle je me suis exprimé, c'est le cas d'un protocole d'essai clinique où on inclut des patients dans un protocole et en même temps on prélève un échantillon qui, dans la même séquence du protocole, va servir à la recherche. Mais il y a d'autres circonstances d'utilisation d'échantillons. On peut très bien avoir effectivement des soins qui sont effectués à un patient, indépendamment de tout protocole, et pour lequel, comme ça l'a été expliqué un peu plus tôt, il y a des prélèvements qui sont effectués à visée diagnostique. Et constitution, comme ça, d'une collection d'échantillons biologiques du fait de l'activité de soins. Je crois qu'on est devant une assemblée qui n'est pas forcément très... avec une expérience suffisante pour pouvoir, effectivement... Je pense qu'il faut quand même expliquer les choses de façon sérieuse. Ensuite, il y a la situation dans laquelle il y a une utilisation, alors qu'au départ c'était un soin, d'une tumorothèque à visée de recherche, mais sans revenir au patient. Et effectivement, comme ça l'a été expliqué, dans le premier cas que j'ai exposé, qui est une recherche, on inclut un patient, on prélève, dans le cas du protocole, il y a un prélèvement, là, il y a une recherche, effectivement, de consentement. Il y a un consentement, c'est normal, c'est la moindre des choses. Lorsqu'on revient à un échantillon qui a été, en fait, stocké dans une biothèque, dans une collection biologique, mais indépendamment de toute recherche, dans le cadre de soins, effectivement, dans ce cas-là, c'est toujours, il y a quand même encore un lien avec le patient. Et donc le législateur ne fait qu'appliquer en fait, la conséquence d'une réflexion qui est finalement qui a pris forme sous forme de loi et qui est la conséquence de notre opinion collective. Le législateur s'est quand même exprimé pour que le patient à l'origine de ce tissu, même si on est en dehors au départ d'un prélèvement dans le cadre d'une recherche clinique, ait son mot à dire. Alors on peut penser que ce n'est peut-être pas adéquat, mais le législateur a quand même pensé à une situation qui peut dans certains cas ne pas aller jusqu'au consentement. Mais dans le cas pratique qu'on évoque, c'est-à-dire une collection constituée dans le cadre du soin et pour lequel un chercheur a besoin de ces morceaux de tissu pour une recherche, cette fois sans revenir au patient, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une recherche de non-opposition. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de la part du chercheur pour informer les patients de sa démarche de recherche. Ça peut être un courrier, ça peut être un email, enfin ça, c'est à réfléchir selon le cas. Et une recherche, une attente de retour, une recherche de non-opposition. Et dans certains cas où vous imaginez que malheureusement le patient ne peut pas répondre, ou que les circonstances ne se prêtent pas à cet exercice de recherche, encore une fois, de consentement, mais de non-opposition, il y a la possibilité, effectivement, qui doit être justifiée, qui dans certains cas peut justifier aussi l'interrogation d'un CPP, de demander une dérogation. Donc il y a vraiment une sorte de gradation, selon les circonstances, d'une recherche de contact avec le patient qui me paraît malgré tout, et ça c'est un avis personnel, justifié. Moi ce que je voudrais dire, c'est que dans certains pays européens, comme par exemple la Norvège, le consentement ou la non-opposition est implicite, c'est-à-dire qu'en fait, la société est suffisamment informée dans un débat public et éthique, me semble-t-il, supérieur à celui qui existe en France, en termes d'efficacité notamment, mais aussi en termes d'éthique. Et effectivement, il existe en plus des moyens Internet dédiés pour permettre aux patients, très rapidement, de s'opposer et de savoir, d'ailleurs, à quelle recherche ils participent. Et moi, je me demande, et je vais laisser ma voisine s'exprimer, s'il n'est pas, en fait, anti-éthique d'informer un patient qui est en bonne santé, qui a au bout de 10 ans... Moi, je rejoins beaucoup les réflexions de Jean-Michel, puisqu'on a travaillé tous les deux à l'émergence de ces tumorothèques. Est-ce qu'il n'est pas anti-éthique d'aller déranger le patient, voire la famille, quand le patient est décédé, parce qu'on rappelle un événement douloureux, pour faire, en fait, un travail rétrospectif pour une cohorte de patients qui sort, si j'ai bien compris la loi Jardet, dans le caractère rétrospectif qui n'est même pas prévu par le législateur, il est hors loi Jardet, vous voyez que j'ai quelques notions également là-dessus, parce qu'on est confronté à ce problème de vouloir faire bénéficier l'ensemble des patients, et peut-être d'ailleurs le patient qui sera inclus dans cette étude rétrospective, de nouveaux tests, parce que les connaissances sur la biologie moléculaire avancent ou sur la protéomique, et effectivement, on est confronté à un dilemme. Est-ce qu'on fait cette recherche comme ça, sans le dire, ou est-ce qu'on, parce qu'on a un nouvel outil diagnostique, ou est-ce qu'on fait cette recherche et qu'il faut systématiquement aller déranger l'ensemble des patients qui forment cette cohorte en leur rappelant effectivement qu'on va faire de la recherche sur leur tumeur. Donc moi j'aimerais bien connaître l'avis
d'une patiente, c'est-à-dire est-ce que vous, ça vous intéresse forcément d'être dérangé ou du moins d'être informé à chaque fois qu'il va y avoir une recherche sans prélèvement supplémentaire, hein, qui s'inscrit uniquement dans le cadre du soin, quand on a, par exemple, juste un nouvel outil diagnostique qu'on va vouloir utiliser dans nos laboratoires pour justement aller plus loin dans les connaissances et dont vous pourrez être éventuellement informé. Parce que là, on parle en plus de recherche qui ne serait même pas anonymisée, puisqu'on la ferait dans le bénéfice des patients, avec des nouveaux outils diagnostiques pour aller plus loin dans le diagnostic. Donc vous voyez, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur les contraintes législatives de non-commercialisation, d'information, etc. Je pense que la loi française, en ce sens, est nettement supérieure à d'autres lois qui prévoient effectivement des choses beaucoup plus commerciales. Mais dans ce cas où on cherche à faire progresser la connaissance de la maladie, ce qui peut être aussi bénéfique au patient lui-même, pourquoi devrait-on redéranger le patient pour lui demander son autorisation si au départ, il n'y a pas eu d'opposition manifeste ? Ma réflexion à ce propos... Non, il ne marche pas. Oula, oulala, oulala. Merci. Ma réflexion à ce sujet, quand j'ai appris l'existence de tout ce qu'il y avait derrière le rideau de mon oncologue, c'est-à-dire les laboratoires, vos travaux, monsieur médecin et autres, c'est que ça ne m'appartient plus à partir du moment où ça m'est retiré. Je voudrais qu'ils vous appartiennent, que vous puissiez en faire ce que vous voulez. D'autres avant moi ont donné, pour pouvoir faire des études ayant eu des cancers comme le mien, pour que je sois là aujourd'hui. Moi, j'aimerais que mon fragment, vous en faites, qu'on me donne le droit de vous le donner, pour que vous fassiez des recherches, pour que vous fassiez ce que vous voulez avec. Je ne voudrais pas qu'on vienne me chercher dans 5 ans pour me dire... est-ce qu'on a l'autorisation de faire des études dessus ? Alors, est-ce qu'en amont de l'opération, on pourrait me dire signer ici ? Est-ce qu'il y aurait un texte qui, comme pour les dons d'organes, ferait que je suis donneur d'emblée ? Mais je ne trouve pas juste qu'on vienne me chercher des années après pour cette propriété. Je n'en veux pas. Il est à vous, gardez-le. Alors, on va essayer de se faire entendre. Alors, je pense qu'on écoute quand même un petit peu. Je ne suis pas législateur, ce n'est pas moi qui écris les textes de loi. Mais ceci dit, sur le terrain, c'est ce qui se fait. Parce que quand on demande une non-opposition à la personne, peut-être que quand vous avez été dans certains hôpitaux ou dans certaines cliniques, vous avez vu des affiches qui vous disent « Attention, vous êtes patient ». Vous pouvez avoir des prélèvements qui sont faits pour votre diagnostic. Et si vous ne vous y opposez pas, ces prélèvements seront utilisés à des fins de recherche. Et simplement ça... ça suffit pour que derrière les chercheurs puissent travailler, mais en attendant, peut-être qu'effectivement on n'a pas suffisamment de communication pour que ça soit beaucoup plus éthique et normal, je dirais, pour la population, mais c'est ce qui est fait. Par contre, ça permet quand même à quelqu'un qui serait opposé à cette utilisation, pour les raisons qui lui appartiennent, et là on ne veut pas le savoir, on n'a pas besoin de lui demander de la justification de dire non, qu'il puisse dire non, et je peux vous garantir qu'il y a certains hôpitaux qui ont mis cette procédure en marche, et ils ont entre 5-10 patients par an qui émettent leur opposition à ce que les prélèvements soient conservés. Mais ce qui veut dire que l'immense majorité dit oui et consent et donc respecte ce que vous dites, oui, ces échantillons, autant qu'ils servent aux autres. Et bien évidemment, on ne va pas rechercher les patients. Et je pense qu'éthiquement parlant, la possibilité d'avoir une dérogation à l'information est largement prise en compte. Je fais aussi partie d'un CPP à Toulouse. On regarde énormément ça parce que dans certaines maladies, il est hors de question de retourner vers la famille pour aller remuer des choses qui n'ont plus lieu d'être ou qui sont dans la douleur, etc. Et éthiquement, ça va à l'encontre de ce que l'on recherche. Et là, le CPP est tout à fait d'accord pour donner cette autorisation d'utilisation. Donc, en deux mots, on est tous d'accord, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, tout est adaptable. Il y a toute la palette. Et bien évidemment, ensuite, c'est une affaire d'organisation. C'est-à-dire que le législateur, il faut comprendre le législateur, il a pris une position plutôt sécuritaire et protectrice par rapport à la population et par rapport aux patients et patientes, y compris les volontaires sains. Il ne faut jamais les oublier, parce qu'il y a aussi des études chez les volontaires sains. Mais ensuite, à charge, effectivement, pour chaque chercheur, pour chaque établissement, éventuellement, de s'organiser de manière à être adapté aux circonstances. Il est bien évident qu'un CPP qui recevrait une demande d'exonération ou d'exemption pour informer parce que ça serait inéthique, comme tu le disais, il accepterait. C'est une question de justification. D'accord. On va prendre une question. Je me suis engagé à une question. Puis peut-être, je ne sais pas s'il y en a encore une seconde.
Je suis pathologiste, mais je ne parle pas français très bien. Et comme ça, je pense faire ma or raise my question or issue in English. And this is in the informed consent we hear the players. He mentioned the financial thing. And my question is, how the law protects the patients or the patients' organization concerning the companies that aim profit regarding therapeutic management or the biomedical equipment that is used and sell for the researchers? I mean, the country, the law, how it managed here in France that big issue. How much should a patient pay for a very costly treatment that he contributes directly or indirectly by omission for the development of knowledge? Alors, la question était comment en France, dans la loi, on arrive, comme vous l'avez entendu dans la lecture du consentement tout à l'heure, il était bien spécifié qu'il n'y avait aucun retour financier pour le patient s'il donnait son échantillon pour la recherche. Et la question est, si j'ai bien compris, comment la France, en tout cas chez nous, on fait pour s'assurer que les entreprises, les industries pharmaceutiques ne fassent pas trop de bénéfices sur les médicaments qu'elles vont pouvoir produire grâce, en partie en tout cas, aux échantillons. Alors c'est un vaste sujet, effectivement, on pourrait en discuter pendant des heures. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'échantillon n'est pas acheté en tant que tel. Et donc, les entreprises pharmaceutiques, quelque part, sont quand même nécessaires en bout de chaîne. C'est un des partenaires de la recherche pour qu'elles puissent produire des échantillons, des médicaments pour pouvoir soigner les patients. Et en fait, ça fait la boucle complète. L'objectif, c'est de partir du patient malade pour pouvoir, par la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la production de médicaments, arriver à soigner le patient pour qu'il ne soit plus malade. Effectivement, il y a un encadrement quand même légal par rapport à ces entreprises. Et vous avez tous entendu certains débordements, mais on essaye quand même partout. Et en Europe, je dirais que ce n'est pas qu'en France, c'est en Europe de faire attention à ça. On a une dernière intervention. Non, du professeur à vous. Clairement, il n'y a pas de loi en France qui protège la non-rentabilité financière de l'utilisation des échantillons. Il n'y en a pas. Et il est clair que les laboratoires valorisent ces échantillons, font du profit là-dessus, soit immédiat sur des tests, soit dans les médicaments qu'ils vont développer. Ce n'est pas pour ça que la France paie les médicaments moins chers pour cela. Nous n'avons pas de loi en regard. Et il est clair que les États-Unis, dans leur système des grands centres, sont beaucoup plus attentifs à la valorisation des échantillons et dans leur utilisation. Ou les Chinois qui interdisent leurs échantillons de sortir de Chine. Ouais. Je pense qu'il est temps de faire quelques remerciements. Hein. Donc, je voudrais remercier tout d'abord Martine Rogério d'être venue nous avoir fait partager son expérience. C'était très touchant. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants qui nous ont fait part de leur expertise. Le prélèvement, il est où le prélèvement? Il est parti? Ah, il est dans la tumorothèque. Alors le prélèvement a été joué par Éric Dommage de la compagnie Fenêtre Sûre. Le patient joué par Philippe Souk de la compagnie Le Dernier Strapontin. La photographe, je la cherche aussi, elle est là-bas. Laure Brousson, Loïc Lagorce et Denis Mola pour nous avoir reçus dans ces superbes lieux. Oui, vas-y. Alors,
Je crois que il faut que je me taise. Oui. Enfin, je ne sais pas, je regarde les gens qui savent. Allô, la régie ? Oui ? Vous m'entendez ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je peux y aller, la régie ? Oui ? On va juste dire quelques mots et puis... Ah, bah, très bien, d'accord. Non, c'était juste pour dire que... Donc c'était juste pour dire qu'on est ravis que cette table ronde ait eu lieu, que c'est finalement une des premières fois que j'ai l'occasion de parler aussi longuement avec des patients, et je crois que l'expérience de Manuel Sobrino au Portugal doit être un modèle pour nous, et il faudrait que ce type de travail continue, et croyez-moi, ma pugnacité que certains connaissent, ce travail continuera avec les patients, continuera dans la connaissance, continuera aussi vis-à-vis des lois, d'essayer de faire bouger les choses pour qu'on puisse faire de plus en plus fréquemment de la recherche facilement, sans faire des usines à gaz comme effectivement on a un peu l'habitude en France. Oui, et c'est vraiment un bel événement qui, en fait, c'est non seulement l'aboutissement de pas mal de travail quand même, mais c'est aussi un début et un beau projet avec le groupe Asperon & Co, vraiment sur quelque chose de très pratique et sur un sujet qui intéresse à la fois grandement les patients, les médecins, les chercheurs, un sujet sur lequel on peut travailler ensemble pour voir si, en effet, ben, la vie des patients peut faire peut-être aussi... évoluer les choses, et donc voilà, donc on a ce projet-là et d'autres projets sur lesquels on voudrait faire impliquer des patients dans des projets de recherche à différents niveaux, dans les gouvernances aussi de nos structures. On en parlait aussi avec Béatrice, peut-être les gouvernances justement des centres de ressources biologiques. Il y a plein de choses là qui sont en train de bouger et vraiment on en est ravis. Et cette expérience a été positive pour elle-même et moteur pour l'avenir, je pense. Et notre envie, c'est d'avoir comme au Canada, dans nos centres de ressources biologiques, un patient partenaire. Ils ont un bureau. Ils ont le bureau des patients partenaires, vous imaginez. À qui on puisse expliquer qu'est-ce qui est fait avec les échantillons, etc. Et je pense que c'est une garantie de nos centres de ressources biologiques. Et même plus qu'expliquer, les patients partenaires participent à la réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, ils participent, c'est pas simplement on est proche et on peut leur parler, mais on peut faire ensemble. Et c'est, voilà, on fait évoluer petit à petit un petit peu la culture. Voilà, merci en tout cas. Alors, je crois qu'en fait, j'ai perdu mon fragment, ça fait vraiment très longtemps. J'ai signé ce consentement, mais je crois que j'ai reçu une petite lettre, une petite carte postale. Alors, voilà. Encore une fois, je voudrais te remercier d'avoir signé ce consentement. Comme promis, je t'envoie de mes nouvelles. J'ai été l'objet d'études à Paris. Je sais que tu as pu en profiter et cela m'a bien fait plaisir. Mais mon parcours ne s'est pas arrêté là. J'ai enfin rencontré mes Japonais. C'est eux qui m'ont rendu universel. Et depuis, le monde s'ouvre. New York, les labos les plus prestigieux, des chercheurs émérites. Ah, j'aurais aimé emmener David avec moi la prochaine fois. Il va pas une carte. Voilà, parce qu'il y a des études à faire là-bas aussi. Et ton œil est vraiment avisé. Enfin, je t'envoie cette lettre de Stockholm, où moi et mon équipe attendons une excellente nouvelle qui viendra couronner nos efforts. Tu avais raison, cette séparation, ton consentement, et pour tout le reste, tu as fait le bon choix. Signé ton fragment. Merci.